Partout dans le monde, quand des gens s'insurgent dans la rue pour la libération de l'exploitation et de la répression, et que des révolutionnaires manifestent ou organisent des actions, c'est à Lénine qu'il se réfère. Ses ouvrages figurent parmi les plus lus au monde. Même si la réalité sociale concrète a changé au cours des 100 dernières années, ses livres continuent d'offrir aujourd'hui encore une orientation fondamentale à tous ceux qui sont en quête d'une alternative sociétale. Pour le prolétariat mondial, Lénine est le précurseur d'un monde socialiste libéré de l'exploitation et de la répression des masses par le capitalisme. Saint-Pétersbourg, appelé Petrograd, à l'époque capitale de la Russie. On est le 25 octobre 1917, selon l'ancien calendrier de la Russie, le 6 novembre, selon notre calendrier. Les gardes rouges occupent tous les points stratégiques importants de l'ancienne capitale russe. 21h45, le tonnerre retentit. Le cuirassier Aurora envoie des tirs d'artillerie contre le palais d'hiver. La dernière forteresse du gouvernement bourgeois Kerensky tombe quand des soldats et la garde rouge prennent d'assaut le siège du gouvernement, le palais d'hiver. La révolution d'octobre ouvre une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité, le début de la crise générale du capitalisme et la transition vers le socialisme. Trois ans plus tôt, en 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Tous les pays impérialistes de l'époque y participent, les anciens comme les émergents. Des générations entières de jeunes hommes versent leur sang dans les tranchées, deviennent aveugles à cause des gaz toxiques. La population civile souffre de famine. Dans l'Empire russe arriéré, la misère est particulièrement sévère. Les paysans ont été incorporés en masse dans l'armée. Leurs familles meurent de faim. Au front, les armes et les vivres manquent. Derrière la façade délabrée du régime tsariste féodal et corrompu, le capitalisme s'est développé de façon accélérée. La Russie est une puissance impérialiste et un bastion de la réaction. Le gigantesque empire tsariste allie l'impérialisme capitaliste à des rapports de production pré-capitalistes. Il est le maillon le plus faible du système impérialiste mondial. Le développement du capitalisme avait fait naître la classe ouvrière qui, bien que relativement peu nombreuse, s'était transformée, sous la direction révolutionnaire des bolcheviks, en force déterminante de la révolution russe. La classe ouvrière encore jeune a déjà acquis de l'expérience dans les luttes révolutionnaires. En 1905, il y avait déjà eu des grèves, des luttes de masse et une révolution qui s'était toutefois terminée par une défaite. Persécution, oppression, confusion et déception se répandaient. Beaucoup se retrouvèrent relégués en Sibérie ou contraints à fuir, comme Lénine. Mais les contradictions sociales s'aggravèrent davantage. L'objectif commun à toutes les forces sociales progressistes doit d'abord être la révolution démocratique contre le régime tsariste, avec son appareil répressif et son système sophistiqué de surveillance policière. Les grèves de masse, les manifestations provoquées par la faim et les révoltes paysannes se multiplient depuis le début de l'année 1917. Le 23 février, le 8 mars, selon notre calendrier, les ouvrières des filatures de coton dans la zone industrielle de Viborg, à Petrograd, lancent le coup d'envoi. Elles abandonnent les machines, se dirigèrent vers le centre-ville, appellent des personnels des autres entreprises à se joindre à leur cortège. Ce jour-là, 50 000 personnes se mettent en marche. Pain, paix, terre sont leurs mots d'ordre. Le régime tsariste fait tirer les Cosaques sur les foules. Il provoque un bain de sang.
mais ils n'obéissent pas tous aux ordres. Les premières unités militaires se mutinent. L'enterrement des 1300 victimes se transforme en une puissante manifestation de masse. 900 000 personnes en deuil marchent à travers les rues enneigées. L'hymne de la Révolution française, la Marseillaise et l'Internationale sont entonnés encore et encore. Cette révolution de février chasse le tsar de son trône. Un double pouvoir se forme. D'un côté, le gouvernement provisoire bourgeois sous la direction de Kerensky. Son gouvernement ne touche que très peu l'ancien appareil d'État tsariste, son armée, sa police et ses tribunaux. De l'autre côté, il y a les conseils des ouvriers et soldats, élus démocratiquement, appelés en russe les soviets. Ils sont composés de différents groupes d'ouvriers et de soldats. À cette époque, les partisans de Lénine constituent encore une minorité au sein des soviets. Exilé en Suisse, Lénine a intensément suivi et dirigé le développement révolutionnaire en Russie, au moyen de journaux et de correspondances. Début avril, il peut traverser l'Allemagne dans un train scellé pour rentrer en Russie. Il est accueilli à la gare de Finlande, au nord de la capitale, par une foule enthousiaste. Devant des assemblées convoquées à la hâte, Lénine apporte des réponses aux questions urgentes. Des articles sont rédigés, des débats de masse organisés. Lénine est clair. Seule la révolution socialiste change de fond en comble les rapports de pouvoir et de propriété et met un terme à l'exploitation capitaliste de l'homme par l'homme. En avril 1917, il qualifia ce qu'il y a d'original dans la situation actuelle en Russie comme la transition de la première étape de la révolution qui a donné le pouvoir à la bourgeoisie par suite du degré insuffisant de conscience et d'organisation du prolétariat à sa deuxième étape, qui doit donner le pouvoir au prolétariat et aux couches pauvres de la paysannerie. La révolution démocratique ne peut être que l'étape préliminaire à la poursuite de la révolution prolétarienne jusqu'au socialisme. Elle est nécessaire pour conquérir des droits et libertés démocratiques. Des prisonniers politiques et des relégués sont libérés. Des partis peuvent agir ouvertement. Des journaux peuvent être distribués. En l'absence de ces possibilités, le prolétariat ne peut pas se former, s'aguerrir, s'éduquer et s'organiser dans son combat. Pour les bolcheviks, il s'agit maintenant surtout de convaincre la majorité décisive de la classe ouvrière et d'impliquer de larges masses dans la lutte contre le gouvernement Kerensky. En quelques semaines seulement, celui-ci déçoit au plus haut point les espérances des masses. En dépit de toutes ses promesses, il poursuit la guerre honni dans l'intérêt des grands propriétaires terriens. Il refuse la réforme agraire exigée d'urgence par les paysans. Le gouvernement provisoire peut semer par moments la confusion et le désarroi, mais il ne peut stopper l'élan irrésistible du mouvement révolutionnaire. Les grèves, les manifestations de masse et les révoltes de paysans se rallument. De juillet à octobre 1917, 3,5 millions d'ouvriers participent aux grèves, 2,4 millions rien qu'en septembre et octobre. Les grèves deviennent politiques et révolutionnaires. De mars à juin 1917, on recense 2 944 actions combatives menées par des paysans. En septembre-octobre, avec 3500 soulèvements paysans, elle se transforme en une véritable guerre des paysans contre les propriétaires terriens et le gouvernement. En avril, Lénine émet le mot d'ordre « Tout le pouvoir aux soviets ». Grâce à un travail de persuasion systématique fondé sur des principes, les bolcheviks menés par Lénine réussissent à convaincre la majorité du prolétariat et à forger une alliance avec les paysans pauvres. Lors de leur conférence à Petrograd en juin
1917, 75% des comités d'usine rejoignent les bolcheviks. En septembre 1917, la majorité des soviets de Petrograd et de Moscou est passée du côté des bolcheviks. Le parti des bolcheviks devient un parti de masse. Fin 1916, il compte entre 1500 et 2000 membres à Petrograd. En juillet 1917, ce chiffre est déjà de 240 000. Dans le sillage des violents remous des conflits sociaux, une bataille décisive se développe à partir d'août 1917. Les masses ne veulent plus, ni ne peuvent vivre à l'ancienne manière, et les forces dominantes ne peuvent pas continuer de gouverner comme autrefois. Ce sont là les caractéristiques d'une situation révolutionnaire. Il faut résoudre la question du pouvoir. À ce propos, Lénine a achevé la rédaction de l'État et la Révolution 2 mois auparavant. Il y expose les positions fondamentales sur le rôle de l'État, développées par Marx et Engels, et les développe en fonction de la situation à la veille de la Révolution. C'est seulement en renversant l'État bourgeois qu'il est possible de construire une société nouvelle, libérée des structures de pouvoir, de l'appareil répressif, de la bureaucratie et des habitudes de la classe des capitalistes. Ceci rend la dictature du prolétariat nécessaire. À l'époque comme aujourd'hui, elle fait figure d'épouvantail aux yeux du monde bourgeois et alimente l'acharnement anticommuniste. Dans le cadre de ces situations révolutionnaires, Lénine constate quel rôle progressiste elle joue dans la construction du socialisme. L'État est l'organisation spéciale d'un pouvoir. C'est l'organisation de la violence destinée à mater une certaine classe. Quelle est donc la classe que le prolétariat doit mater ? Évidemment, la seule classe des exploiteurs, c'est-à-dire la bourgeoisie. C'est le seul moyen pour organiser le passage à une société sans classe. Et Lénine continue. Nous nous assignons comme but final la suppression de l'État, c'est-à-dire de toute violence organisée et systématique, de toute violence exercée sur les hommes, en général aspirant au socialisme. Nous sommes convaincus que dans son évolution, il aboutira au communisme et que, par suite, disparaîtra toute nécessité de recourir en général à la violence contre les hommes, toute nécessité de la soumission d'un homme à un autre, d'une partie de la population à une autre, car les hommes s'habitueront à observer les conditions élémentaires de la vie en société sans violence et sans soumission. Face au grossissement des forces préparant la révolution prolétarienne, le gouvernement Kerensky recourt à la répression massive des révolutionnaires. Lénine doit être traduit en justice. Il doit de nouveau plonger temporairement dans la clandestinité et de trouver un refuge dans la Finlande voisine. Début octobre, le conducteur de locomotive finlandais, Jalava, le fait passer subrepticement la frontière déguisé en chauffeur. À Pétersbourg, la préparation de l'insurrection armée se place immédiatement au centre de l'action. La détermination des masses à prendre leur destin en main gagne en intensité. Les soldats désertent en nombre pour s'engager dans la révolution. Lénine est informé des projets du gouvernement Kerensky qui veut faire venir en secret à Petrograd des troupes du front afin de réprimer le mouvement révolutionnaire. Il avertit. Attendre pour agir, c'est la mort. Les gardes rouges et les soldats révolutionnaires sont concentrés au Smolny, le quartier général des révolutionnaires avec Lénine à leur tête. Alors qu'il fait encore nuit, ils se mettent en marche et appliquent les plans soigneusement préparés d'occupation des stations radiophoniques et téléphoniques, des ponts sur la Neva et des gares. Au matin du 25 octobre, toutes les institutions stratégiquement importantes de la capitale se trouvent aux mains du prolétariat insurgé. Kerensky prend la fuite. Ses ministres sont arrêtés. L'insurrection armée a remporté la victoire. À 10h du matin, le comité révolutionnaire militaire publia l'appel historique rédigé par Lénine. Le gouvernement provisoire est destitué. Le pouvoir de l'État est passé aux mains de l'organe du Soviet des députés ouvriers et soldats de Petrograd, du comité révolutionnaire militaire qui est à la tête du prolétariat et de la garnison de Petrograd.
la cause pour laquelle le peuple a lutté, proposition immédiate de paix démocratique, abolition du droit de propriété sur la terre des propriétaires fonciers, contrôle ouvrier de la production, création d'un gouvernement des soviets, cette cause est assurée. Vive la révolution des ouvriers, des soldats et des paysans. Le lendemain, le deuxième congrès pan-russe des soviets désigne le conseil des commissaires du peuple présidé par Lénine comme gouvernement de la révolution. Coup sur coup, des décrets sont adoptés sur la nationalisation des banques, le contrôle ouvrier, la séparation de l'église et de l'État, l'introduction de la journée de travail de 8 heures, l'interdiction du travail des enfants, l'égalité des nationalités, l'abolition des lois féodales sur le mariage et la famille, sur la protection de la maternité, l'abolition de l'interdiction de l'avortement et de l'homosexualité, l'interdiction de la violence domestique, y compris contre les enfants, etc., etc. Tout d'abord, le gouvernement révolutionnaire proclame des décrets sur la paix et la terre. Car la Première Guerre mondiale fait toujours rage. Maintenant, les révolutionnaires russes adressent des offres de paix à tous les pays belligérants. Cela suscite aussi de grandes espérances au sein des masses épuisées par la guerre dans les pays impliqués dans ce conflit. Néanmoins, les offres de paix sont boycottées par les parties impérialistes belligérantes. Elles flairent la possibilité de gagner du terrain contre l'ennemi affaibli et d'étouffer la révolution. Pour sauver la révolution face à un adversaire supérieur, le gouvernement de la révolution doit accepter, dans le traité de paix de Brest-Litovsk, signé début 1918, de faire des concessions douloureuses à l'Allemagne impérialiste, en lui cédant de vastes territoires. Lénine rompt avec le dogme des différents partis sociaux-démocrates de la Deuxième Internationale, selon lequel une révolution socialiste ne serait possible, ne serait permise que si les forces productives étaient arrivées à maturité complète dans un pays et que le prolétariat constituait la majorité absolue de la population. Sur cette base, les mencheviks diffament la révolution d'octobre comme un putsch. La révolution d'octobre est l'œuvre des masses, soutenue par la lutte de centaines de milliers de personnes et avec l'appui de millions d'hommes, surtout des ouvriers, des paysans et des soldats. Les bolcheviks font pleinement confiance à leur détermination révolutionnaire, les guident et leur donnent une orientation. La direction géniale de Lénine permet à ce pouvoir de se déployer. Willy Dikout, maître à penser et cofondateur du MLPD, écrit à propos de la direction de la révolution par Lénine. Lénine rejeta des formules abstraites. Sa tactique était mobile, audacieuse et pleine de risques. Aussi, la révolution d'octobre de 1917 était un grand risque, surtout parce que le plan du soulèvement avait été trahi par Zinoviev et Kamenev peu avant. Néanmoins, Lénine ne recula pas devant le risque parce qu'il comprit d'un œil lucide que l'insurrection armée était inévitable et remporterait la victoire vu le rapport des forces. L'aptitude de Lénine de saisir rapidement les événements qui s'annoncent dans leur développement intérieur, sa perspicacité de connaître ce qu'il fallait faire à tout moment, fit de lui un organisateur génial de la révolution prolétarienne. Comment un tel succès fut-il possible? Vladimir Ilitch Ulyanov, le futur Lénine, naît le 22 avril 1870 à Simbirsk, une ville sur les rives de la Volga. Ses parents sont des opposants résolus à la misère massive, à l'absence des droits et à l'ignorance voulue par les grands propriétaires fonciers féodaux et qui permettent à l'Église et l'État de bâillonner les paysans, souvent encore asservis. L'arrestation et la condamnation à mort de leur fils aîné, Alexandre, ne fait qu'accroître la haine contre le tsarisme.
Ce dernier a participé à un attentat contre la famille tsariste avec un groupe anarchiste. La mort du frère aîné bouleverse profondément Lénine, 17 ans à l'époque. Il comprend son action. Il a dû agir ainsi, il ne pouvait faire autrement. Mais il dit aussi, il faut prendre une autre voie. Pendant sa scolarité, Lénine étudie les écrits révolutionnaires de son époque, surtout le Capital de Karl Marx, qui vient d'être traduit en russe. Il comprend que la classe ouvrière est la seule force résolument révolutionnaire en raison de sa position dans la production et dans la société, même si elle est encore minoritaire en Russie. C'est pourquoi il va s'établir à Petrograd, le centre industriel du pays. Là, il s'engage pour le regroupement d'environ 20 petits cercles ouvriers au sein de l'Union de lutte pour la libération de la classe ouvrière. À la même époque, il fait la connaissance de Nadezhda Krouskaya, sa future femme, qui milite également dans le mouvement ouvrier révolutionnaire. Ses activités leur valent à tous les deux d'être internés et relégués en Sibérie, et ils doivent vivre de nombreuses années en exil. En tant qu'internationaliste prolétarien, Lénine suit, dans tous les pays où son statut de réfugié politique le conduit, le principe consistant à s'organiser à l'intérieur du parti révolutionnaire local. Il est donc membre pendant un certain temps du parti en Suisse et en Allemagne du SPD social-démocrate, parti à l'époque révolutionnaire. Il accorde une attention particulière à la construction du parti en Russie. Le Parti ouvrier social-démocrate russe, POSDR, est fondé en 1898. Pendant son deuxième congrès, en 1903, des conflits fondamentaux concernant la construction du parti apparaissent. La ligne opportuniste s'inscrit en faux contre le rôle dirigeant de la classe ouvrière et mise sur une alliance avec l'intelligentsia bourgeoise et petite bourgeoise, et la classe capitaliste en évolution. Les opportunistes soutiennent la position selon laquelle la classe ouvrière doit tout d'abord constituer numériquement la majorité dans la société avant de pouvoir réaliser une révolution socialiste. Lénine la réfute. Même si la classe ouvrière reste numériquement minoritaire, dans un pays, elle doit et peut prendre la tête dans la lutte révolutionnaire. En Russie, la population rurale pauvre, composée d'ouvriers agricoles et de la petite et moyenne paysannerie doit être sa principale alliée. Les économistes opportunistes considèrent en outre que les ouvriers doivent se limiter à des luttes économiques pour améliorer leurs conditions de travail et de vie. C'est le culte de la spontanéité du mouvement ouvrier, et cela signifie qu'il doit se soumettre aux conditions sociales données et renoncer à la lutte révolutionnaire. Lénine démasque les économistes en tant que réformiste et stimulateur de l'influence bourgeoise sur la classe ouvrière. La majorité, les bolcheviks, suit Lénine au deuxième congrès. La minorité, les mencheviks, maintient ses positions opportunistes. Dans ce conflit, Lénine développe de manière conséquente le concept de parti ouvrier révolutionnaire comme parti combatif. Le projet de construire un tel parti dans tout le pays fait partie de ce concept. Grâce à la publication d'un journal qu'il avait fondé, considéré comme organe central, il est possible de joindre clandestinement tous les révolutionnaires jusque dans les recoins les plus isolés du pays, et une organisation solide peut se mettre en place autour du journal. Dans son écrit de 1902, « Que faire ?», Lénine souligne l'importance décisive de l'unité entre la théorie et la pratique et le rôle particulier du travail théorique créatif du parti révolutionnaire. Sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire. Et seul un parti guidé par une théorie d'avant-garde est capable de remplir le rôle de combattant d'avant-garde. À propos de la défaite de la révolution russe en 1905, Lénine a constaté avec lucidité « Les conditions objectives et subjectives pour la victoire de la révolution ne sont pas encore arrivées à maturité. Cette révolution est étouffée par la répression cruelle. La réaction stolypienne fait rage, nommée ainsi selon le premier ministre du tsar,
Stolypine. 5500 révolutionnaires sont exécutés sommairement. Beaucoup d'autres sont relégués en Sibérie ou contraints à fuir à l'étranger. Un climat de défaite et d'incohérence se propage parmi les mancheviks. Il aboutit à un courant liquidateur, donc à la destruction active du parti et la diffamation de ses dirigeants. Des membres inébranlables du parti sont dénoncés de l'intérieur et livrés à la mort. Le parti perd près de 80% de ses membres, surtout des intellectuels qui quittent le parti, tandis que les ouvriers, les plus persévérants engagés dans la poursuite de la construction du parti, en constituent l'ossature. Quelles en sont les raisons ? Il y a, à l'époque, des progrès énormes dans la production industrielle et les sciences naturelles. Il y a des découvertes scientifiques prometteuses, comme le rayon X et la radioactivité. Ceci constitue une base matérielle des conflits idéologiques de l'époque allant jusqu'au rang du mouvement révolutionnaire. On voit se propager une marée de théories positivistes qui saisissent certes les phénomènes isolés, mais non les corrélations et les interactions. L'empirio-criticisme tente de concilier le matérialisme avec l'idéalisme. Il défend l'idée que le monde existe bien objectivement, mais que l'homme ne peut pas le comprendre et encore moins le changer. Des prétendus marxistes justifient ainsi leur capitulation et se font les avocats de la réconciliation avec le capitalisme. En 1909, la principale œuvre philosophique de Lénine, Matérialisme et empirio-criticisme, est publiée en tant qu'écrit polémique idéologique opposé au courant liquidateur. Ici, il défend et développe le matérialisme dialectique et historique. Dans la théorie de la connaissance, comme dans tous les autres domaines de la science, il importe de raisonner dialectiquement, c'est-à-dire de ne pas supposer notre conscience immuable et toute faite, mais d'analyser comment la connaissance naît de l'ignorance, comment la connaissance incomplète, imprécise, devient plus complète et plus précise. C'est de cette manière que Lénine aborde aussi l'étude des bouleversements considérables dans le monde, comme par exemple l'apparition de nouveaux pays impérialistes. Ceci lui permet d'élaborer pour le parti la stratégie et la tactique adaptées. La liquidation du courant liquidateur est la condition préalable à un nouvel essor de la révolution. À ce propos, de nouveaux conflits violents et répétés sur le caractère du parti éclatent également avec Léon Trotsky. Suivre la conception de Trotsky aurait détruit le caractère révolutionnaire du parti. Il exige l'admission au sein du parti de divers courants, y compris de factions en lutte les unes avec les autres, et participe activement à l'émergence de tels groupes. Une écrasante majorité dans le parti rejette cette orientation, à la suite de quoi il favorise en sous-main la constitution de factions et essaie de diviser le parti. Afin de se démarquer clairement des mancheviks, les bolcheviks s'appellent désormais Parti communiste. Les principes développés par Lénine pour les partis s'imposent à tous les partis communistes dans le monde entier dans les années 1920, à savoir, travail sur la base d'une ligne idéologico-politique claire, le principe d'organisation du centralisme démocratique qui allie l'initiative démocratique de tous les membres du parti à l'action homogène du parti, activité politique de chaque membre du parti, plutôt qu'une masse de membres en grande partie passifs, ou bien seulement des membres cotisants, parti combatif plutôt que parti électoral. Concentration sur les entreprises et gagner la majorité décisive de la classe ouvrière en tant que classe dirigeante de la révolution. Analyse et prise de décision collective de la politique du parti, leur mise en œuvre systématique et leur contrôle. En opposition à un style de résolution générale, non suivi d'efforts soutenus pour les appliquer. Des organismes de direction responsables et collectifs, avec des tâches clairement déterminées. Au niveau central, c'était surtout le comité central. En opposition, l'ancienne social-démocratie était marquée de cadres dirigeants individualisés qui n'étaient pas obligés de rendre des comptes à qui que ce soit.
Aujourd'hui encore, les principes de Lénine servent de base et de critères à la construction d'un parti marxiste-léniniste. Ils sont aussi appliqués par le MLPD et développés constamment. Le parti marxiste-léniniste se développe tel un organisme vivant par paliers et phases de sa construction. Il doit poursuivre son évolution et se transformer lui-même en fonction de chaque changement essentiel dans la lutte de classe. Par son internationalisme inébranlable, Lénine marche dans les pas des fondateurs du marxisme, Karl Marx et Friedrich Engels. Dans les dernières années de sa vie, à la fin du 19e siècle, Engels perçoit le danger d'une guerre mondiale imminente entre les pays capitalistes. Pendant les conférences de la Deuxième Internationale socialiste, qu'il a cofondée, des décisions internationalistes sont adoptées à maintes reprises à l'unanimité. Toutes les directions de parti s'engagent à veiller à ce qu'aucun ouvrier ne tire sur ses fers de classe dans d'autres pays. Mais quand, 20 ans après la mort d'Engels, la Première Guerre mondiale éclate en 1914, la quasi-totalité de ces directions trahit la solidarité de classe. Elles se dégénèrent en devenant des défenseurs de la patrie et concluent une trêve avec leurs souverains belligérants respectifs. C'est aussi le cas en Allemagne avec la trahison du Parti social-démocrate, anciennement révolutionnaire. La Deuxième Internationale capitule pitoyablement et le parti de Lénine s'en sépare. Lénine mène une lutte résolue pour regrouper les forces internationalistes des partis sous le mot d'ordre « guerre à la guerre impérialiste ». Dans un premier temps, il est très peu suivi. En attendant, des millions de soldats périssent dans les tranchées. L'enthousiasme guerrier du début s'effondre. Le développement de la guerre meurtrière et la capitulation des dirigeants sociaux-démocrates de la Deuxième Internationale ont des causes plus profondes. Lénine cherche leur origine dans la société et la lutte de classe. En 1916, exilé en Suisse, il rédige l'écrit « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme ». Il analyse l'impérialisme comme un nouveau degré suprême du capitalisme et comme la veille de la révolution prolétarienne. Lénine qualifie comme condition essentielle de son développement la formation de monopoles occupant une position dominante dans la vie économique, la fusion du capital industriel et bancaire en capital financier dominant, l'exportation des capitaux qui prend dans l'économie une position dominante par rapport à l'exportation des marchandises. Le début de formation de groupements monopolistes capitalistes internationaux se partageant le monde. La fin du partage territorial du globe entre les grandes puissances impérialistes. Lénine constate l'impérialisme, c'est la réaction à tous les échelons vers l'intérieur et l'aspiration à l'hégémonie mondiale et l'agression vers l'extérieur. Lénine découvre aussi l'origine inhérente des guerres impérialistes. La répartition inégale, l'inégalité de son développement, c'est le bilan du capitalisme moderne, monopoliste à l'échelle mondiale. Et ce bilan montre que, sur cette base économique, les guerres impérialistes sont absolument inévitables, aussi longtemps qu'existera la propriété des moyens de production. Les lois générales inhérentes sont valables tant que l'impérialisme existe. Ces changements doivent être analysés constamment par les marxistes-léninistes. Lénine qualifie l'impérialisme de capitalisme parasitaire et pourrissant. Aujourd'hui, ce constat vaut plus que jamais. Concomitamment, lié au développement de l'impérialisme, se déroule de manière de plus en plus large la préparation matérielle des États-Unis socialistes du monde. En font partie aussi les forces pour le surmonter. Un prolétariat industriel international, allié à tous les opprimés du monde.
dans les conditions de la nouvelle organisation de la production internationale, la révolution socialiste prendra un caractère international. La contradiction fondamentale de notre époque entre le capitalisme et le socialisme exige sa révolution. Lénine tire des conclusions révolutionnaires de son analyse. De la ruine universelle engendrée par la guerre, on voit ainsi grandir une crise révolutionnaire mondiale qui, si longue et pénible que doivent être ses péripéties, ne peut se terminer autrement que par la révolution prolétarienne. Lénine part du principe qu'une révolution victorieuse à partir du maillon le plus faible, la Russie, se propage en Europe de l'Ouest vers une réaction en chaîne. En effet, des luttes révolutionnaires se déroulent dans de nombreux pays de l'Europe, de l'Ouest et d'Asie. Mais faute de direction claire, elles sont dispersées et peuvent être noyées dans le sang. L'empereur est chassé d'Allemagne par la révolution de novembre 1918. Pour l'Allemagne, elle signifie la fin de la guerre et elle apporte des droits démocratiques comme le droit de vote des femmes. Mais les ouvriers révolutionnaires ont commencé tout juste à se débarrasser complètement de l'influence nocive de la collaboration de classe suivie par les dirigeants du SPD. C'est seulement au tournant des années 1918-1919 qu'est fondé le KPD révolutionnaire, qui est encore faible au niveau idéologico-politique et organisationnel. Leurs dirigeants révolutionnaires, Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, reconnus comme tels par les ouvriers conscients de leur classe, sont assassinés par les corps francs réactionnaires début janvier 1919 et le soulèvement révolutionnaire est écrasé. La direction corrompue du SPD, qui s'est fait mousser dans le gouvernement sous Friedrich Ebert, se fait la complice de la contre-révolution. Au lieu du socialisme, le capitalisme s'impose en Allemagne. Lénine reste inébranlable et souligne: cette première victoire n'est pas encore une victoire définitive. Et notre révolution d'octobre l'a remportée au prix de difficultés et de privations inouïes, de souffrances sans nom, après une suite d'échecs et d'erreurs considérables de notre part. C'est nous qui avons commencé cette œuvre. Quand, dans quel délai, les prolétaires de quelle nation la feront aboutir, il n'importe. Ce qui importe, c'est que la glace est rompue, la voie est ouverte, la route tracée. Une nouvelle internationale communiste est fondée en mars 19, à l'initiative de Lénine. Elle organise la solidarité internationale avec la Russie révolutionnaire et le soutien à la construction de nouveaux partis ouvriers révolutionnaires. La révolution d'octobre est devenue le modèle à suivre pour les partis communistes et ouvriers dans le monde entier. Même s'il avait été des rivaux pendant la guerre impérialiste, les dirigeants capitalistes s'unissent après la victoire de la révolution d'octobre afin de détruire le premier pays socialiste du monde et de réinstaller au pouvoir les anciens exploiteurs. Dans le cadre d'un accord secret, les puissances impérialistes des États-Unis, la France, l'Angleterre et le Japon ourdirent une attaque belliqueuse contre la Russie socialiste et la lancèrent en 1918 sans avertissement préalable. Ils profitaient du fait que la révolution prolétarienne avait certes renversé le gouvernement bourgeois et que de larges parties de l'empire tsariste restaient sous la domination des seigneurs féodaux. Jusqu'en 1922, 14 États participent à ce crime. Ils s'appuient sur tous les réactionnaires du pays, appelés les Blancs, et occupent temporairement de grandes parties du pays. La terreur blanche est à l'origine d'immenses destructions, de la famine, de la misère et de la mort de millions de personnes. Elle a la trace de sang des bandes terroristes anticommunistes. La guerre civile, pour sauvegarder la victoire de la révolution d'octobre et pour défendre le jeune pouvoir soviétique contre toute ingérence impérialiste, fait rage pendant 4 ans. Une fois de plus, Lénine sait développer une stratégie et une tactique
avec la plus grande flexibilité et perspicacité. Jusque dans les régions les plus reculées du pays, des hommes et des femmes, des jeunes et des personnes âgées qui ne veulent pas d'un retour aux anciens rapports d'exploitation participent à la lutte. Ainsi, la guerre civile constitue une épreuve de feu et développe entre les ouvriers, les paysans et les soldats révolutionnaires des liens solides qui rendent possibles des exploits extraordinaires. L'historiographie bourgeoise rend la dictature de la terreur de Lénine responsable des millions de morts dans cette guerre défensive. Selon l'immonde logique anticommuniste, sans la révolution d'octobre, la guerre d'intervention n'aurait pas eu lieu. C'est ainsi qu'elle essaie en même temps de justifier sa sanglante contre-révolution. Les masses soviétiques remportèrent la victoire de façon héroïque et grâce à de grands sacrifices. Maintenant, elles peuvent s'atteler universellement à la construction du socialisme. La victoire du nouveau type d'État, de la dictature du prolétariat, est assurée en prenant appui sur les expériences de la Commune de Paris et sur le système des soviets. Toute personne assumant des tâches dans le parti, l'État et l'économie est obligée de rendre compte et peut être destituée. La démocratie à une échelle aussi vaste que possible pour les masses naît grâce aux réunions des délégués et à de larges débats. On doit à Lénine la célèbre phrase « La cuisinière doit apprendre à diriger l'État ». Progressivement, 16 nations au total, au sein desquelles vivent environ 60 ethnies, se fédèrent sur la base volontaire pour former l'Union des Républiques Soviétiques, l'Union Soviétique. Des droits ouvriers fondamentaux comme la journée de 8 heures sont introduits, droits qui à l'époque n'existent dans aucun pays capitaliste, même approximativement. Des campagnes en faveur de l'alphabétisation et de la construction d'un système de santé publique sont menées jusque dans les villages les plus reculés. L'électrification du pays entier sur la base d'une unité de l'homme et de la nature, ainsi que la mise en valeur de ressources énergétiques naturelles, connaissent de grandes avancées. La lutte pour la libération de la femme et contre la pourriture héritée de la politique familiale et de la morale bourgeoise et féodale est poursuivie, en particulier dans la lutte contre l'influence de l'Église. Il faut tout d'abord relancer l'économie, mise à mal par la guerre impérialiste et la guerre civile. Grâce à un effort sans pareil, les ouvriers reconstruisent leur pays et fondent la jeune Union soviétique, une des économies nationales les plus productives du monde. Pour y parvenir, des compromis s'avèrent temporairement inévitables par le biais de la nouvelle politique économique. Les paysans furent incités à produire plus que ce dont ils avaient directement besoin. Les petites entreprises capitalistes bénéficièrent de marges de manœuvre. Des licences pour l'extraction de matières premières furent également accordées à des groupes étrangers. La dictature du prolétariat garantissait le contrôle de ces concessions et permettait d'accélérer la transition vers la construction socialiste. La dictature du prolétariat accorde aux masses une liberté, une démocratie et une autodétermination qui n'ont jamais existé jusque-là. Grâce à la répression exercée contre les exploiteurs capitalistes, les va-t-en-guerre et les contre-révolutionnaires, elle garantit aux masses la liberté et la démocratie. Pour ces raisons, et orientée vers l'avenir, on lit dans le programme du MLPD: après le renversement de la dictature du capital financier international et la conquête du pouvoir d'État dans les différents pays, la classe ouvrière doit établir la dictature du prolétariat et transférer les moyens de production dans la propriété commune de l'ensemble du peuple travailleur. Cette transformation révolutionnaire ne peut être atteinte que par l'action de masse consciente de la classe ouvrière et de ses alliés, et en aucun cas par de simples prescriptions des autorités de la société socialiste. Divergence éclate au sein du PCUS concernant la voie à suivre pour construire le socialisme. La confrontation avec Léon Trotsky est violente. Dans l'élan révolutionnaire de la révolution d'octobre, il s'est rapproché à nouveau des bolcheviks et a assumé provisoirement des tâches importantes. Mais il capitule face au défi énorme que représente l'édification du socialisme dans un seul pays.
Il s'oppose à la paix de Brest-Litovsk, dont la conclusion est absolument nécessaire pour sécuriser la révolution. Il prend lâchement la tangente et œuvre par tous les moyens contre l'édification du socialisme dans un seul pays. Il dissimule sa capitulation de façon démagogique avec des phrases gauchistes sur sa conception de la révolution permanente. Celle-ci devrait avoir lieu, si du moins elle devait se produire, d'abord dans des pays plus développés. Afin de justifier sa propre trahison, il se transforme en adversaire zélé de l'édification socialiste. Ses partisans organisent des actions de sabotage et des assassinats dans le pays. Son acharnement contre Lénine et avant tout contre Staline est sans limite. Il est même prêt à collaborer avec les fascistes hitlériens. Il n'éprouve plus qu'un mépris arrogant envers les masses, notamment envers les paysans. Par contre, Lénine conserve une confiance inébranlable dans les masses. Il décèle et encourage les initiatives prometteuses parmi les ouvriers classistes, et en particulier chez la jeunesse. Le mouvement du samedi communiste en est un exemple. Et Lénine souligne à ce propos. Le communisme commence là où les simples ouvriers veillent avec abnégation en venant à bout d'un rude labeur sur l'augmentation de la productivité, qui ne sont pas distribués aux travailleurs personnellement, ni à leurs proches, mais à leurs parents éloignés, c'est-à-dire à l'ensemble de la société, aux dizaines et aux centaines de millions d'hommes réunis d'abord en un seul État socialiste, puis dans l'Union des républiques soviétiques. La jeune Union soviétique exerce un énorme pouvoir d'attraction comme modèle de société alternative de son époque. L'enthousiasme gagne les artistes, des écrivains, des scientifiques, des techniciens, des ingénieurs, et les ouvrières et ouvriers dans le monde entier ne sont pas en reste. Des équipes d'architectes, sous la direction de l'architecte allemand Ernst Mayr et de l'américain John Scott, mettent au point les plans de la ville gigantesque du combinat sidérurgique de Magnitogorsk. L'Autrichienne Margaret Schutliowski construit des écoles maternelles et des clubs ouvriers baignés de lumière. Des artistes internationaux dessinent le métro de Moscou. De jeunes ouvriers spécialisés, originaires de tous les pays du monde, aident à la construction du premier pays socialiste du monde. Willy Dikut en fait partie en 1928. Lénine a porté le marxisme à un niveau supérieur dans tous les aspects fondamentaux de l'économie politique, de la philosophie et de la théorie de la lutte de classe. Joseph Staline, compagnon de lutte le plus proche et successeur de Lénine à la direction du Parti communiste, crée le concept de léninisme pour la contribution de Lénine au socialisme scientifique. Lénine est un classique du marxisme-léninisme. Avec fierté, le parti marxiste-léniniste d'Allemagne, le MLPD, a inclus son nom dans son intitulé. Le secret de sa performance gigantesque réside dans la parfaite maîtrise de la méthode dialectico-matérialiste. Sa caractéristique essentielle est l'unité fondamentale de la théorie et de la pratique. Des témoins de l'époque qui entendent Lénine parler lors de rassemblements de masse souligne à quel point cette méthode influence sa logique séduisante et son empathie pour les auditeurs. Marx et Engels ont fondé le matérialisme dialectique comme théorie et méthode. Friedrich Engels a exigé que le matérialisme doit inévitablement modifier sa forme avec toute découverte faisant époque. C'est ce que Lénine accomplit. Lénine prévoit de rédiger un livre entier sur la dialectique, mais il est pris par d'autres tâches prioritaires. Avec son étude critique de la dialectique idéaliste de Hegel, il élabore en 1914 l'ébauche pour un plan structuré de son futur ouvrage. Il l'appelle « Détermination de la dialectique ». Mao Tse-tung les utilise systématiquement, notamment lors de sa préparation de cours magistraux destinés à l'armée rouge, de la pratique et de la contradiction. Willy Dikut reconnaît l'importance fondamentale des déterminations.
Les éléments de la dialectique de Lénine se prêtent idéalement pour faire comprendre l'essence du marxisme-léninisme et fournissent une instruction exemplaire pour appliquer le marxisme-léninisme à nos jours et pour le faire évoluer. Le MLPD fait de l'application consciente de la méthode dialectique la méthode fondamentale du travail idéologico-politique et pratique du parti. Dans les années 90, il généralise les expériences théoriques et pratiques ainsi acquises au sein d'un enseignement du mode de pensée et met en place un système de formation pour son application consciente. Yu Larin, proche collaborateur de Lénine, décrit clairement comment la méthode dialectique a pris possession de Lénine corps et âme. Ceci apparaît notamment dans ses contacts avec les camarades et les ouvriers qui lui demandaient quotidiennement des conseils et de l'aide. On s'est parfois étonné chez nous du fait que Lénine consacrait énormément de temps et d'énergie, même parfois une grande partie de la journée, aux innombrables petits soucis du quotidien, la soupe aux nouilles, comme il disait. Toute personne qui lui posait de cette façon une seule question, parfois minuscule, repartait riche de la capacité d'aborder correctement le problème. Il lui montrait comment aborder un fait à partir de la réalité de la vie, c'est-à-dire à appréhender les choses à partir des points nodaux, de leur corrélation avec les autres phénomènes, sans laisser la pensée s'égarer dans toutes les directions et négliger l'essentiel en se concentrant trop sur les détails. Il lui apprenait à identifier ce qui était le plus typique dans le moindre détail. Il enseignait une sobriété qui ne se laisse pas soudoyer et permet de combiner une tête froide avec un cœur ardent sans l'absence de principe, par le caractère propre du travail et en investissant sans aucune formalité une passion brûlante dans la chose. Lénine est un intellectuel hautement instruit. Il aime la musique classique, il cultive un échange animé et aussi critique avec des artistes et des écrivains comme Maxime Gorki. En même temps, il est entièrement en phase avec les simples ouvriers et les paysans. Il les écoute, comprend leur mode de vie et de pensée. De même qu'il leur accorde une confiance d'égal à égal, eux considèrent Illich, c'est ainsi qu'ils l'appellent, comme l'un des leurs. Lénine travaille en équipe et a de proches collaborateurs et collaboratrices comme Staline, Sverdlov, Kalinine, Khrushchaya, Kaganovich, Molotov, etc. avec lesquels il se concerte en permanence de façon critique et autocritique, comme d'innombrables lettres l'attestent aussi. Avec Staline, il entretient un étroit rapport de confiance. Il le charge de tâches opérationnelles de large portée, surtout pendant la guerre civile et de la politique relative aux nationalités. Des témoins de l'époque soulignent avec quelle dureté et intransigeance Lénine se positionne par rapport aux ennemis de la classe ouvrière. Mais il ne craint pas non plus l'autocritique et garde aussi une grande confiance dans les camarades qui ont commis des erreurs. Reconnaître ouvertement son erreur en découvrant les causes, analyser la situation qui lui a donné naissance, examiner attentivement les moyens de corriger cette erreur. C'est là la marque d'un parti sérieux. C'est là remplir ses obligations. C'est là éduquer et instruire la classe et ensuite aussi les masses, a dit Lénine. Clara Zetkin, qui pendant de longues années entretient une amitié tout à fait combative avec Lénine, décrit son mode de vie dans les années 1920. Son logement privé était d'une extrême simplicité. J'ai connu plus d'un logement ouvrier beaucoup plus richement meublé que le logis du tout-puissant dictateur de Moscou. J'ai trouvé la femme et la sœur de Lénine en train de manger le repas du soir, qu'elles m'invitèrent immédiatement et chaleureusement à partager avec elles. Le repas était frugal, comme la dureté de cette époque l'exigeait. Plus tard, la sœur de Lénine chercha s'il n'y avait pas quelque douceur et découvrait avec joie un petit bocal de fruits confits. On sait que les paysans faisaient à leur Illich nombreux cadeaux de farine, de lard, d'œufs, de fruits, etc.
Mais on sait aussi que rien de tout cela ne restait dans la maison de Lénine. Tout allait dans les hôpitaux et les maisons d'enfants, car la famille de Lénine appliquait strictement le principe de ne pas mieux vivre que les autres, c'est-à-dire que les masses laborieuses. En août 1918, une femme anarchiste commet un attentat contre Lénine. Il est touché par 2 balles à l'épaule et au cou. Il n'a pu jamais s'en remettre entièrement. Plusieurs attaques d'apoplexie paralysent sa force de travail. Néanmoins, il livre pendant les derniers mois de sa vie encore de nombreuses impulsions visionnaires et des commentaires critiques pour la construction socialiste. Notamment, ses derniers écrits mettent en garde contre la trahison du socialisme de l'intérieur, comme dans l'ouvrage datant de 1923 « Comment organiser l'inspection ouvrière et paysanne ». Il meurt le 21 janvier 1924, à l'âge de 53 ans seulement. Lénine est incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire, à la situation actuelle et à l'avenir des luttes de libération. À l'occasion du centenaire de la Révolution d'octobre, sa personnalité marquante fait les gros titres de la presse. Même certains journalistes, historiens et politiciens bourgeois ne peuvent que manifester un certain respect envers Lénine, comme le magazine Stern, qui doit le reconnaître comme un stratège incontestable et un homme sans lequel cette révolution n'aurait pas été un tel succès. Mais ce qui domine, ce sont les pamphlets incendiaires, comme dans un essai du samedi dans la Süddeutsche Zeitung, où on peut lire « Ce qui a commencé par un coup d'État a mené à une des plus sanglantes tyrannies de l'histoire, suscitait d'énormes espoirs. » Enfin, la tyrannie, ce fut le régime tsariste. La tyrannie, ce fut la guerre d'intervention des puissances impérialistes immédiatement après la Révolution d'octobre. Le fascisme hitlérien a poussé à l'extrême la tyrannie avec son invasion de l'Union soviétique qui fit des millions de morts. Si les masses, profondément convaincues, n'avaient pas été prêtes à suivre la voie tracée par Lénine, cette tyrannie n'aurait jamais pu être brisée. Willy Dicoute souligne « Nous ne pouvons pas mesurer assez l'importance de Lénine. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un génie? Le degré le plus élevé de créativité. C'est ce qu'on peut dire de Lénine avec justesse. Quiconque prétend le contraire ne le connaît pas et sous-estime l'importance énorme du léninisme pour la lutte de la classe ouvrière.